Malgré l'intervention des camions anti-incendie pour maîtriser les feux, rien n'a été récupéré dans cette maison. Meubles, habits, argent et bien d'autres valeurs réduits en cendres. Les coupures intempestives de l'énergie électrique dans cette partie de la ville de Kolwezi seraient à la base de cet incendie, selon les habitants. Nous ne voulons plus le délestage à la cité Moussonoy. Les agents de la SNEL qui gèrent le courant à Moussonoy, on ne le comprend pas. Car on nous avait promis la stabilité du courant une fois réparés les transformateurs. Voyez maintenant le résultat. Ce cas n'est pas le premier à être enregistré à Moussonoy. Les incendies sont devenus monnaie courante, confirmant les chefs des quartiers. C'est pas pour la première fois. Aujourd'hui, après le rétablissement brusque du courant électrique, il y a eu un court-circuit partant du congélateur, chose qui a occasionné cet incident. Ayant tout perdu, la famille victime n'a que les yeux pour pleurer et constater les dégâts, ne sachant pas à quel sens s'est vouée.